Salut les Mickey. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire formidable. Comment je suis devenu professeur au CLCF. Tout a commencé en 1977. À l'époque, j'avais encore beaucoup de cheveux. Et un vrai look. Alors que je me baladais normalement dans la rue, je fus abordé par un mystérieux personnage. Salut Jean-Marie. Quoi? Oh putain, crapaud qui parle. Mais qui êtes-vous? Quoi? Et comment vous savez comment je m'appelle d'abord? Quoi? Eh bien, je suis Coco le crapaud. Et je sais tout de toi, Jean-Marie. Tu veux devenir professeur dans une grande école de cinéma, n'est-ce pas, Jean-Marie? Eh bien, sache que j'ai le pouvoir de réaliser ton plus grand souhait. Mais c'est extraordinaire! Mais que dois-je faire? Tu devras réaliser une action significative en passant 12 épreuves. 12 épreuves, mais arrête de déconner, Coco, on a 3 minutes, enfin! Ok, d'accord. Alors tu passeras une seule épreuve, mais ce sera l'épreuve du feu. Mais c'est très impressionnant comme nom, l'épreuve du feu. Mais en quoi ça consiste? Il te faudra aller jusqu'au pont là-bas et revenir ici. Mais c'est extrêmement simple. Oui, mais tu dois le faire en moins d'une minute. Moins d'une minute, mais à partir de quand enfin? Eh bien, maintenant. Oh putain! Bravo Jean-Marie, tu as passé l'épreuve du feu, je te félicite. Mais pourquoi tu finis au ralenti enfin? C'est un cliché mais j'aime bien. Ok, en tout cas en passant cette action significative, tu as prouvé que tu étais bien coucou et pas amitié. Et grâce à cela, tu vas devenir professeur dans une grande école de cinéma Jean-Marie. Mais c'est génial, mais où cette école? Mais juste devant toi mon coucou. Oui. Mais s'écrit quoi là, on voit rien. Et plus jamais je ne revis Coco le crapaud. Et voilà comment ça s'est passé. Des questions? Henri, une question peut-être? Je sais pas. Eh ben putain, vous êtes pas nombreux aujourd'hui. Mais oui, vas-y mon Coco, vas-y, n'aie pas peur, lance-toi. Ouais, comment le crapaud pouvait parler? Comment ça se fait que vous avez pas vieilli? Enfin, je comprends pas, c'est quoi le rapport avec le cinéma et... Enfin, ça rime à quoi, toutes ces conneries? Mais c'est une excellente question, ma petite Gwendoline. Non, mais moi, c'est Jérôme. Ta gueule, Gwendoline. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand t'as que 3 minutes et 9 plans à faire, t'attends pas à mieux qu'un crapaud qui parle, un mec qui court ralenti sur la musique des années 80, mais le son de morale à la con à la fin.